Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique, Kundono Asadiba Koulibaly. En républicain convaincu, vous avez eu tort de vous mettre à la disposition d'une justice injuste. Permettez-moi, général, de m'adresser humblement à vous en commençant tout d'abord par magnifier le sens de courage et de dignité de votre épouse et de vos enfants qui ont catégoriquement refusé de se retrouver dans le même cortège que vos bourreaux. À destination de Malfaraba, votre village natal, ils ont décidé foncièrement animés du sens de l'honneur attaché à votre patronyme de ne pas rejoindre ce cortège de l'infamie et de l'ignominie. Le général Sadiba Koulibaly, vous étiez numéro 2 de la junte militaire au lendemain du 5 septembre 2021. Homme fort d'alors, vu tomber en disgrâce par le fer du prince. C'est un devoir impérieux de nous poser la question de l'origine de vos disgrâces. Celle-ci réside simplement dans la différence de trajectoire que vos anciens compagnons et vous avez emprunté. Vous qui n'aviez comme seule obsession le retour à l'ordre constitutionnel et eux, dont l'obsession pour la confiscation du pouvoir est similaire à la soif de sang inestimable d'un vampire. Mon général, vous avez été le bienfaiteur de bon nombre de dignités actuelles du CNT, des hauts cadres de l'armée, des ministres, des secrétaires généraux, des chefs et directeurs de cabinet, des directeurs nationaux et généraux et de tout autre fonctionnaire de la chaîne administrative ou gouvernementale qui, par lâcheté, indignité ou cupidité, préfère détourner le regard sur les terribles injustices dont vous avez fait l'objet jusqu'à ce qu'il en soit aussi les prochains sur la liste. Car c'est ainsi ça le credo des dictateurs que d'épargner et n'épargne personne. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.